à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente un des SUV les plus luxueux qui existent, le Mercedes GLS. Quand il y a S dans un mot de chez Mercedes, souvent c'est que c'est le plus haut de gamme. C'est comme la classe S, le GLS. Un SUV, donc on reprend la gamme des GL à l'époque, qui maintenant englobe le GLA, GLB, GLC, GLE et GLS. Le S à chaque fois, c'est le haut du panier, c'est le plus luxueux, le plus gros, comme la gamme A, B, C, D, il n'y a pas de D, A, B, C, E et S. Voilà, je vous présente ça aujourd'hui. C'est la voiture la plus grosse de chez Mercedes. Après, il y a le classe G, donc on l'a essayé il n'y a pas longtemps, le G63 MG. C'est un petit peu la même philosophie, mais en plus baroudeur. Alors que celui-ci, on peut déjà le relever assez haut. C'est une version 4x4, donc 4-matique chez Mercedes. Mais plus typé, un petit peu plus espace à l'intérieur, un petit peu plus luxe. Alors que le G, c'est plus un petit peu baroudeur, puisque de base, il avait vraiment été créé pour aller faire du tout-terrain et limite pour l'armée, carrément. Alors que ça, c'est vraiment fait pour le luxe, la famille. On a 7 places à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. En plus, tout est électrique. C'est juste magique. Bon, comme d'habitude, je vous présente la voiture en détail, on fait le tour de la voiture, je vous donne les caractéristiques techniques et ensuite on va l'essayer sur tout type de route et puis on va aller se balader avec, hein, puisque ça donne envie de rouler ce genre de joujou. Alors, ce GLS, il existe en 4 motorisations différentes. Aujourd'hui, on a l'entrée de gamme, le GLS 400D. 400D, c'est la seule version diesel. On a quand même 330 chevaux avec un 6 cylindres en ligne, diesel comme je vous disais. On a 700 Nm de couple. Ce qui est quand même assez bluffant, 700 Nm de couple, c'est l'équivalent d'une Aventador ou une SL55 AMG qui à l'époque avait un V8 5.5 compresseur. Oui, ça marche un petit peu. Sinon, il existe en essence ensuite, en 580, qui fait 489 chevaux. Ensuite, il y a les versions 63, qui sont les gros moteurs, hein, les V8 4 litres biturbo, 63 AMG qui fera 612 chevaux. Alors là, c'est pareil, c'est encore plus extraordinaire, une sonorité bien plus sympa. C'est le même moteur qu'il y a dans le G63 ou dans les Mercedes AMG GT ou toute la gamme sportive de chez Mercedes maintenant, comme le SL63 AMG également, qui remettent à chaque fois le même moteur avec 612 chevaux et 850 Nm de couple. C'est juste démentiel. Et ensuite, il y a une version luxe qui est la version Maybach 600. Donc la Maybach 600, c'est quand même le V8 4 litres. À l'époque, les 600, c'était les V12. Alors, les V12, maintenant, ça n'existe plus trop hein, chez Mercedes ou quasiment toutes les marques. Même Lamborghini a annoncé son dernier V12 sorti de l'usine il y a un mois à peu près. Les V12, bye bye. Mais la version Maybach, elle fait quand même 557 chevaux. Ouais, c'est pas mal. Bon, celui-ci commence à partir de 106 000 euros. Et les versions Maybach, elles commencent à partir de 180 000 euros. Donc il y a quand même une petite différence. On peut monter aux alentours des 200 000 pour les versions Maybach. Et ensuite, bien sûr, on ajoutera notre fameux malus hein, d'environ 40 à 50 000 euros selon quand vous achèterez cette voiture. Maybach, c'est vraiment la division luxueuse de Mercedes. Ça existe depuis 1909, Maybach. Et oui, je ne savais pas que c'était si vieux que ça. Moi, j'ai surtout connu les Maybach en 2002 avec la version Maybach 57 et la version Maybach 52, qui n'étaient pas des Mercedes, qui étaient vraiment siglés Maybach. Et ensuite, en 2014, ils sont revenus sur la classe S, la S Maybach. En 2019, ils ont sorti donc ce GLS en version Maybach. Et en 2020, ils ont sorti la classe S, donc la nouvelle version, en Maybach également. Clairement, Maybach, c'est la division un petit peu comme chez Rolls-Royce. En fait, c'est la Rolls-Royce de chez Mercedes. C'est équipé au maximum, tout le confort. Pour vous faire une petite idée, par exemple, pour avoir le cuir blanc à l'intérieur, en version Maybach, c'est 16 000 euros. 16 000 euros, c'est un Duster pas trop mal équipé, juste pour avoir du cuir à l'intérieur. Sinon, on peut l'avoir en 10 couleurs, ce GLS. Et si on a la version Maybach, on a 6 couleurs spécialisées en biton, par exemple un rouge et une teinte un peu plus foncée, un vert, une teinte un peu plus foncée, une teinte champagne. C'est pareil, au niveau des jantes, on a le choix entre 19 paires de jantes qui peuvent aller du 19 pouces au 22 pouces. Aujourd'hui, on est équipé en 22, ça remplit très bien, c'est assez joli, avec des AMG comme ça. Le modèle présenté aujourd'hui, on est à 130 000 euros, c'est pas le plus optionné, mais on a toutes les options suffisantes, je pense, et confort pour le quotidien. Au niveau de la taille du véhicule, il fait 5,20 m de long. On peut avoir 5,34 m pour les versions Maybach qui sont un petit peu rallongées pour avoir encore plus de place à l'arrière et pouvoir allonger le siège. Pareil, on peut avoir des packs luxe, des packs confort. On peut vraiment avoir tout ce qu'on veut à l'intérieur quand c'est marqué S à la fin du modèle. Au niveau de la largeur, 2 mètres de large, 2,15 m avec les rétroviseurs. Et au niveau de la hauteur, ça varie quand même pas mal, mais comme vous pouvez voir, moi je suis 1,80 m.
si je veux me mettre à côté. C'est plus haut que moi, que la hauteur du véhicule varie selon le mode dans lequel vous êtes. Au niveau du rayon de braquage, on est sur 12,50 m, donc c'est pas ce qui braque le mieux. On est sur 13 mètres sur la version 63 MG parce qu'on a des roues encore plus grosses, malgré le fait que là, on a des pneus. À l'avant, on est en 285 et à l'arrière, on est en 325 de large. 325, c'est plus qu'une Porsche GT3 RS 991. Pour vous faire une idée, regardez là la vidéo, il y a ma main à côté. C'est juste énorme. C'est un joujou qui pèse 2500 kg et on peut remettre 90 litres d'essence. Au niveau des consommations, ce diesel est plutôt sobre pour un bébé qui fait 2500 kg et surtout qui fait la taille d'un immeuble qui se déplace. On sera aux alentours des 10 litres au 100 si vous faites de la route. Bon, de face, il laisse vraiment pas indifférent. Franchement, quand je l'ai vu ou quand je me gare à côté d'autres voitures, j'ai l'impression que les autres voitures, c'est des voitures pour enfants. C'est énorme, c'est massif. Le capot fait ça de long avec les doubles rainures. Ça, c'est un petit peu ce qu'il y a sur les voitures sportives, les AMG. Parce qu'on se dit souvent, il y a un gros moteur quand on bombe un petit peu le capot et ça donne cette sensation plus de robustesse et de puissance. Sinon, on a une calandre très droite, très grosse. Le gros logo Mercedes ici qui intègre tous les capteurs d'aide à conduite avec la conduite de niveau 2, bien sûr, couplé avec les caméras là-haut. Petit truc, le capteur, on a même des filaments, vous savez, comme on a sur les vitres arrière pour dégivrer l'hiver. Parce que si on roule sous la neige et que la neige vient se mettre là, eh bien justement, ça dégivre pour pouvoir permettre aux aides à la conduite de pouvoir être fonctionnelles tout le temps. Parce qu'il y a des voitures, moi ça m'est déjà arrivé avec une autre voiture pas haut de gamme, d'avoir de la neige ici et je pouvais plus utiliser les aides à la conduite. Alors que chez Mercedes, ils ont pensé à tout. On a des feux bien sûr multi-beam LED, donc c'est les feux qui détourent, matriciels en gros. C'est pas les plus haut de gamme qu'on a sur ce modèle. Sur la classe S, la nouvelle classe S, on a les feux avec 1,3 million de pixels par feu. Là, on n'a pas ça encore. Sous le capot, donc ce 6 cylindres aujourd'hui, la S400D, 6 cylindres à 3 litres, 330 chevaux, 700 Nm de couple. Avec cette voiture, on fait un 0 à 100 en 6 secondes 3, ce qui est vraiment convenable. Et la 63 MG, c'est 4 secondes 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 4 secondes 2, c'est le même 0 à 100 qu'une Alpine A110 avec un launch control. Imaginez-vous ça, qui fait côte-côte avec une Alpine. C'est assez bluffant. Au niveau de la vitesse maximum, celui-là, il est donné pour 238 km/h. Sinon, les autres, ils sont bridés à 250. Ce qui est largement suffisant normalement pour se déplacer. Mais on verra que même sur autoroute à 130, on est dans un confort. En fait, on pourrait cruiser facilement à 200 km/h avec ce genre d'auto en étant très très confortablement installé et sans qu'il y ait trop de bruit dans l'habitacle. C'est ça en fait le luxe pour moi. Bon, sinon, on reconnaît un, bien évidemment Mercedes. Ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait sur les plus anciennes. Peut-être que ça va être renouvelé. Il va y avoir aussi le EQS. Qui va sortir en version SUV. Il y a la classe S, qui est la version thermique, avec plusieurs motorisations, un 400D, 63, etc., 580, comme on a là-dessus. Mais on a également l'EQS qui existe, donc la version limousine de chez Mercedes, mais en version électrique. Et il va y avoir les versions SUV. Il y a le EQE, pareil, version berline, et EQE SUV, qui vient de sortir, qui vient tout juste d'être présenté. J'espère vous la montrer à l'essai prochainement. Et il va y avoir les versions EQS, 100% électrique également. Et chez Mercedes, ils sont assez bons pour les versions électriques. Comme on avait fait la vidéo de l'EQS, c'est très confort et c'est encore mieux que ces versions thermiques, je trouve. Alors, on fait moins de route puisqu'il faut s'arrêter de temps en temps pour recharger, mais par contre, le confort est encore amélioré sur les versions électriques. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez ça avec une autonomie de 1000 km en diesel où on a quand même un moteur qui tourne, ou est-ce que vous préférez une version électrique avec 400-500 km? Allez, le côté, c'est gigantesque. Une Maybach à l'époque qui était une limousine, c'était les 57, ça faisait 5,70 m, là on a déjà 5,20 m. C'est très grand, je me sens petit en fait vraiment à côté de ce SUV. On a des jantes en 22 pouces comme je vous disais, des gros freins perforés, ventilés, les jantes AMG en 22 pouces, comme je vous disais, on peut avoir du 19 jusqu'au 22, 22, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau surtout sur ces grosses voitures, parce que ça remplit bien l'arche de roues. Pneus en 285 à l'avant, 325 à l'arrière, comme je vous disais. C'est des pneus de voiture de sport, clairement. Donc là, vous pouvez mettre pied dedans, ça va motricer tout le temps. Voiture très sobre sur le côté, pas de ligne trop marquée ou autre. Juste une ligne qui traverse d'ici à l'arrière là-bas. Ensuite, c'est des parties assez lisses. On a le marchepied bien pratique pour monter dans la voiture parce que c'est quand même assez haut. On a des portes. Regardez la taille de la porte. Il y a 2,5 mois.
quasiment sur la portière arrière. Et lorsque j'ouvre, donc pareil pour les voituriers, vous pouvez ouvrir assez grand. On a une accessibilité à bord assez aisée, surtout avec le marchepied. Je vous montrerai ensuite à l'intérieur. Ah oui, pareil, là j'ai claqué la porte, mais normalement j'ai juste à l'approcher. Et j'ai bien sûr mon soft close. Ça veut dire pareil, donc à chaque fois que j'ouvre la porte, j'ai juste à l'approcher un petit peu. Et chez Mercedes, je n'ai pas besoin de claquer, ça ferme tout doucement. Ça aussi, c'est le luxe. Qu'on peut voir, entourage chromé tout le tour, les barres de toit bien pratiques, puisqu'on a une version 7 places. Lorsqu'on va partir en famille, ce sera un plus. Malgré le fait que pour moi, c'est une des voitures 7 places avec le plus de place dans le coffre. Ça, c'est très intéressant. On a des arches de roue entièrement peintes et à l'arrière, on peut voir même un déport parce qu'on a des jantes extra larges pour pouvoir élargir un petit peu la caisse. Et de ce côté-là, comme je vous disais, on mettra 90 litres de diesel. C'est pareil, c'est le même réservoir sur les versions essence. Pendant qu'on est sur le côté, je vais vous montrer tout de suite la différence de hauteur qu'il peut y avoir lorsqu'on démarre cette voiture. Donc là, je suis en position haute et si je veux redescendre la voiture, donc vous voyez que ça commence par l'arrière, un petit peu l'avant, arrière, avant et petit à petit, ça va vraiment changer la hauteur de caisse. Et je trouve ça assez bien parce que selon ce qu'on va avoir comme utilisation, on n'a pas forcément besoin de rouler plus haut parce que quand on est plus haut, ça consomme un petit peu plus d'essence. Et là, je sens qu'il y a vraiment une différence avec cette voiture lorsqu'elle est en position haute ou en position basse. Et comme vous pouvez le voir maintenant, donc les arches de roue sont positionnées beaucoup plus proches des pneus et ça lui donne un look peut-être un petit peu plus sportif même. Sur l'arrière, on peut voir qu'on a des ailes assez bombées et surtout avec les pneus qui arrivent ici, on élargit bien la voiture pour bien la poser, que ce soit très statutaire. Le 4MATIC pour nous y rappeler que c'est les versions 4 roues motrices. Le GLS 400D pour nous rappeler notre motorisation. Une barre chromée qui traverse, pareil, pour élargir un petit peu la voiture. Des vitres teintées partout, un tout petit béquet qui intègre le troisième feu stop. Et ensuite, peint quasiment tout le long, sauf une petite bande de plastique ici, toute petite, qui intègre les capteurs, les réflecteurs et ensuite aux échappements. On a même un crochet d'attelage, on peut bien sûr tirer sans problème avec ce genre de voiture à 700 Nm de couple. On pourrait même tirer un camion carrément. J'ouvre, on a bien sûr le hayon motorisé. Au niveau du coffre, on a beaucoup d'espace. On peut avoir de 355 litres jusqu'à 2400 litres lorsqu'on rabat tout. Là, la voiture est en position 7 places. Alors ce que j'adore, c'est déjà ils ont pensé à la plage arrière qu'on puisse l'utiliser en 7 places et en 5 places. On n'est pas obligé de la laisser à la maison et on peut la retirer aussi si on veut. Donc très facilement, hop, et voilà. Ça me permet quand même de l'avoir même en version 7 places. Petite chose très sympa donc. J'ai mon crochet d'attelage juste ici qui va venir se mettre juste avec une petite pression du doigt sur le coffre là-bas. Et là, ça y est, une fois qu'il est mis, c'est automatique, il n'y a plus de souci. Je peux tirer sans problème. Si je veux le ranger, c'est pareil, j'ai juste à réexercer un petit push là-haut sur le bouton et il va aller se ranger gentiment. Bye bye. Le coffre, j'ai un petit peu d'espace ici. Alors regardez, là je suis en version 7 places et on pourrait quand même me rentrer moi lorsqu'on est en version 7 places. Ça c'est très très rare, souvent c'est tout petit ici. Chose que j'adore, c'est que j'ai des boutons de chaque côté. J'ai des boutons pour la deuxième rangée de ce côté-là, j'ai des boutons pour la troisième rangée de ce côté-là. Et j'ai un bouton qui me dit « rabattre ou relever la totalité ». Donc, lorsque je fais « all », regardez, les 5 sièges à l'arrière vont aller se rabattre automatiquement et électriquement. Donc ça, c'est quand même génialissime parce que juste d'une petite pression du doigt, eh bien là, je me crée un camping-car juste ici. Et là, et 1m80, il me reste encore énormément d'espace jusqu'au siège. J'ai encore au moins 40 cm jusqu'au siège là-bas. Donc vous imaginez la taille et la longueur qu'on a ici. On peut vraiment déménager des gens. En fait, c'est top pour partir en camping, ça. Vous avez des voitures de sport, vous tirez votre voiture de sport. Et en même temps, vous pouvez mettre tous les pneus et autres ici. Pas mal, hein ? Je vais vous embarquer sur ma tête directement pour les places arrière. C'est beaucoup plus pratique parce que sinon, c'est pas facile une seule place. Allez, je vous montre à l'arrière. Donc j'ouvre ma portière ici, comme vous pouvez le voir, à l'arrière, on peut régler les sièges électriquement et autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout vous montrer les deux places arrière là-bas. Je clique ici sur mon petit bouton, le siège avance automatiquement. Ça s'avance, ça remonte. On peut bien sûr le faire avec une languette aussi, hein, si on veut le faire beaucoup plus rapidement et qu'on est à l'arrière. Et je vais aller m'installer juste ici. Donc, on a des sièges ISOFIX sur ces deux places arrière. On a des sièges ISOFIX encore sur cette partie-là. Donc, on peut mettre pas mal d'enfants. Ici, on peut gérer également l'inclinaison du siège à l'avant ici.
j'ai deux ports USB-C là, j'ai deux ports USB-C là-bas, j'ai de quoi attacher des filets dans le coffre, et lorsque je m'assois, alors ce qu'il faut impérativement, c'est relever ces appuie-têtes ici, qui pourront se rebaisser directement, électriquement et automatiquement lorsqu'on appuiera sur le bouton derrière également. Allez, là par exemple, je veux que ces sièges reviennent à leur place. J'appuie sur le bouton et les sièges vont revenir tout seuls. Et comme ça, ça me permet également moi de ne pas me faire écraser les genoux. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, ils sont assez droits pour les personnes qui seront à l'avant comparé à celui-ci. Ensuite, eux peuvent régler grâce à ce qu'ils ont sur leur portière là-bas. Mais moi, lorsque je suis comme ça, s'ils les avancent un petit peu et qu'ils les inclinent un petit peu en arrière, on pourra rentrer à 7. Et moi, je suis 1m80, regardez, ma tête ne touche même pas et j'ai encore de l'espace. Et surtout, j'ai ce plafonnier ici en Alcantara. Partout, c'est super confortable. Pareil, j'ai de la coudoir en cuir, mon porte-gobelet, mes ports USB-C, fixation top taser partout. En vrai, 7 places, on peut mettre 7 adultes ici à l'intérieur. Alors, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est faisable. On a deux sièges séparés totalement. Bon, allez, je vous emmène découvrir ce qu'il y a juste là-bas. Et là, j'ai juste besoin de rappuyer là pour pouvoir faire en sorte que la banquette se ravance. Alors, à l'arrière de ce Mercedes GLS, j'ai laissé exprès ce siège dans la configuration dans laquelle il était lorsque quelqu'un à l'arrière s'installe et qu'il remonte ses sièges. Ouverture très grande portière, une ouverture extrêmement généreuse ici. Le marchepied pour pouvoir m'installer, je peux me tenir ici et je peux venir m'installer. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment très très droit dans cette position. Mais je peux quand même, alors je vais venir fermer ma porte. Tout doucement, la porte se referme avec le soft close. Je peux quand même m'incliner un petit peu et jusqu'à cette position là, les gens à l'arrière ont de la place. Moi, le siège à l'avant est réglé pour moi, surtout qu'il a reculé un petit peu pour me faciliter la descente. Je vous rappelle, je fais 1m80. Regardez la place que j'ai au niveau de la tête, au niveau des genoux, au niveau des pieds. C'est juste gigantesque ici comme habitacle. Et si je recule donc la banquette pour revenir en position 5 places. Regardez, donc là elle se recule. L'espace que j'ai là à ce moment-là, je me sens vraiment dans une limousine. Et je peux encore incliner pas mal la banquette. Et là, vraiment, je suis au max. Accoudoir ici, j'ai mon accoudoir de ce côté-là. Donc là, on a du cuir vraiment partout. Double accoudoir. Il ne manque plus que l'option avec les petites télés sur les appuie-têtes ici. Et je serai vraiment au mieux du mieux. L'espace est gigantesque pour les pieds. Je me sens très bien, les fenêtres sont gigantesques également. Je viens de démarrer la voiture, donc on a du LED un petit peu partout. On peut personnaliser les couleurs et surtout ce que j'aime bien, c'est ça. Juste une petite pression et je peux soulever mon rideau. Oui, parce que j'ai besoin d'un petit peu plus d'intimité dans mon GLS. J'ai les LED ici, une aération là, une aération là. Je peux bien sûr régler la climatisation indépendamment dans les quatre zones ici. On a même de la climatisation pour l'arrière, mais eux ne peuvent pas la régler. Ce sera réglé par la partie arrière ici. J'ai deux ports USB-C ici, de quoi vider quelques petites choses ici, poser des téléphones, les mettre à charger, des filets à cet endroit-là, de quoi mettre des grandes bouteilles dans les portières à l'arrière, la sonorisation Burmester qui est juste excellentissime dans cette voiture, des haut-parleurs ici, haut-parleurs là-haut, c'est très joli également, c'est entouré à chaque fois avec des LED, c'est juste magnifique. Bon, on sent qu'on est vraiment dans le luxe, on a de très très belles finitions, le toit panoramique très joli. On aurait peut-être pu le pousser même encore un petit peu plus loin pour que ce soit le luxe extrême, voire même élargir, mais après on aurait pu plus mettre la climatisation et les haut-parleurs. La place du milieu, pas de fixation ISOFIX au milieu, on en a déjà 4 dans cette voiture lorsqu'on met les sièges en position 7 places. Cette place ici au milieu, oups, le téléphone qui s'en va, elle est plutôt confort. Lorsque je tombe, moi je m'assieds bien dedans, je suis pas très large. Mais elle m'englobe parfaitement ici au niveau du fessier, qui me permet de ne pas bouger. Le dossier est plus dur parce que ça reste toujours un accoudoir. Mais là, c'est joli par contre. Très belle vue. Il y a le gros tunnel ici. Alors, je peux mettre mes pieds dessus et largement, hein, comme vous pouvez voir, là, franchement, c'est énorme. Je peux mettre le mien plus un petit 36 peut-être. Ou sinon, les pieds sur les côtés parce que dans tous les cas, on aura énormément de place. On peut voyager sans problème. Moi, je fais un Paris-Bordeaux sans problème avec ça, en position 5 places. Tranquille, en position 7 places, si c'est des personnes pas trop loin en arrière, je pense qu'elles seront pas trop mal.
En vrai, ça donne envie de partir en vacances. C'est... Il y a des petits détails où il pense à tout. De quoi bloquer les ceintures sur les côtés grâce à des petites pinces. Ici, pour ses ceintures, pour les ceintures à l'arrière. Enfin, rien n'est oublié. Je vous emmène à bord de ce GLS version point de vue de moi et à l'avant. Bon, les portières, bien sûr, hein, tout est bien fini. C'est du cuir, c'est moussé, c'est du bois, du vrai bois. Les mémorisations des sièges, sièges chauffants, sièges ventilés. On peut régler de mon côté le siège passager, le Burmester ici, qui est toujours très joli. Regardez, dans les enceintes, je trouve ça toujours sublime. Entouré à chaque fois de LED, le ruban LED qui part par ici. Je vous ferai un petit bout de nuit. Les verrouillages, les fenêtres, les rideaux pour l'arrière et réglage des rétroviseurs. Partie en cuir ici. Bah, là, on a du plastique ici. Alors là, on aurait peut-être pu avoir du cuir, hein, ça aurait été cool. L'énorme haut-parleur ici, Burmester. La sono est folle. Si vous avez jamais testé chez Mercedes, c'est juste canon. Ici, de quoi ouvrir le coffre ici. Je vous écoute. Annulé. C'est parce que j'ai dit le nom de la marque. Elle m'écoute et elle fait un petit peu ce que je veux après avec la commande vocale. On a des réglages également ici pour le dossier, les bourrelets et ce qu'il y a dans le bas du dos. Le siège, bien sûr, a tous les réglages. Ça s'avance, ça se recule. On peut le monter, on peut faire ce qu'on veut. Les appuis-têtes sur le haut et ce grand toit panoramique qu'on peut voir d'ici avec la vue sur tout l'habitacle ou l'intérieur hein, de ce studio roulant. AMG, donc on est en AMG Line, le pédalier en métal, le gros repose-pied sur le côté. De ce côté-là, on a toujours le bloc optique ici, donc pour les feux allumés, le mode auto, ça suffit, le frein de parking et la luminosité des compteurs ici si on veut plus ou moins éclairer pour la nuit. Petite LED qui traverse tout l'habitacle, des LED également ici qu'on peut voir en bleu. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Donc j'ai hop, mon marchepied et je viens fermer tout doucement sans claquer. La porte vient se refermer tout seul. Je vais me reculer au max pour pouvoir vous donner le maximum de visibilité. Donc tout est électrique, mémorisation des positions et autres. Et on peut être très très grand sur une Mercedes hein, si on veut conduire ça. Le volant, bien rond, il y a plusieurs volants sur la gauche. On a toujours tout ce qui est aide à la conduite sur la droite, tout ce qui gère le multimédia là-bas. On peut personnaliser ses compteurs, là je l'ai mis en version sportive. Et ensuite, on peut jouer grâce à ça, faire défiler et avoir des compteurs totalement différents. On peut avoir la navigation, les assistances et autres. Par exemple, je peux voilà, vraiment personnaliser juste ici. Alors là, c'est inactif. Je peux afficher en plein écran. On voit que c'est réactif. Il y a pas mal de choses. Et à chaque fois, on peut tout personnaliser. Je peux en même temps parler à la voiture et lui demander des choses. Moi, j'aime bien le trajet et dire par exemple « Hey Mercedes, affiche l'affichage tête haute. » L'affichage tête haute est activé. Et voilà, donc là, on a l'affichage tête haute. C'est juste extra, surtout qu'il est gigantesque dans l'écran. Moi, j'aime beaucoup. C'est un vrai plus parce que ça me permet de jamais quitter la route des yeux. Double écran, comme on connaît chez Mercedes. On n'a pas les nouveaux encore de la nouvelle classe S avec le grand écran ici ou l'hyperscreen, ça arrivera sûrement, à mon avis, sur le GLS SUV en EQS SUV. Tableau de bord, les aérateurs, comme on connaît. Du bois ici, c'est très bien fini. Cette grande partie-là, alors j'aime beaucoup chez Mercedes, je crois que c'est cette grande partie. Et lorsque tout est fermé, ça fait très luxueux, ça fait spacieux. Toujours le pad qu'on retrouve à cet endroit-là. Ça, c'est le petit bouton spécifique aux SUV les plus gros pour pouvoir régler la hauteur de caisse. Si je monte comme ça, ça monte la voiture. Si je descends, ça va baisser la voiture. Comme on est sur une version 4x4, on a ces parties-là pour se maintenir lorsqu'on va conduire. Alors pour votre passager, pour vous, pas forcément le plus parce que vous allez vous tenir au volant. Mais il fallait bien mettre de la symétrie. On retrouve à cet endroit-là encore un port USB-C. Il y a des ports USB-C partout. Vous pouvez tout recharger dans cette voiture. Et un compartiment assez grand, la boîte à gants. Ici, on peut mettre une grande bouteille sans problème. Et la vue de l'habitacle, de cette façon, c'est très sobre, c'est très classe. Moi, j'adore, et surtout de nuit, l'environnement est très sympa. On démarre la voiture ici, on peut activer le start and stop juste à côté. Et ensuite, bien sûr, cet écran est tactile. On peut le gérer soit du bout des doigts ici, soit du bout des doigts ici, soit du bout des doigts juste ici. Donc, on a trois choix dans cette voiture. Comme vous pouvez voir, je suis tellement loin de tout que j'ai énormément d'espace. Je peux tout vous montrer en une seule fois. C'est réactif. On a le pad avec les retours haptiques. C'est extra. Pareil, on a des raccourcis. Et juste ici, quand on connaît sa voiture, raccourcis voiture pour pouvoir activer les fonctions principales. Et on a la navigation, le radio, la média, le téléphone, une touche favori. Ensuite, on peut personnaliser
ses réglages de conduite. Alors, il faut démarrer la voiture. Je la démarre. Donc, on a par exemple le mode off-road. Ça, c'est pour faire du 4x4. La voiture va se relever au plus haut. Ensuite, on a le mode éco. Bon, éco, c'est pour tout en mode éco, moins de puissance et autres. Le mode confort, confort maximum. Le mode sport qui va durcir la suspension, la direction, pousser plus les rapports et avoir une réponse à la pédale plus intense. Et le mode individuel où vous pouvez tout personnaliser comme vous voulez. Moi, j'utilise beaucoup le mode confort ou le mode éco qui me conviennent parfaitement. Sur le bas, on retrouvera tout ce qui est climatisation, plus chaud, plus froid de chaque côté. Alors, un truc que j'adore chez Mercedes, regardez bien les couleurs. Ici, c'est tout bleu actuellement. Si je chauffe, de mon côté, ça va passer rouge et ça va faire du rouge jusqu'au bout là-bas. Et regardez, ça va repasser rouge. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme il fait plein soleil, rouge ou bleu lorsque je fais plus chaud ou plus froid. Et je peux régler, bien sûr, zone par zone de chaque côté. Sur le haut, le rétro-border laisse ici. Là-haut, on a toujours l'éclairage. Alors, ce que j'adore chez Mercedes, regardez, c'est ça. C'est quand j'appuie, ça s'allume progressivement pour ne pas me piquer les yeux trop fort la nuit. Et ça, c'est un vrai, vrai plus. Je peux également mettre juste les petites liseuses qui sortent d'ici, comme vous pouvez le voir là. Hop, je peux tout désactiver, off, éteindre les liseuses, rallumer l'avant, l'arrière. Je peux rallumer l'avant, l'arrière, je peux tout gérer d'ici. Et pareil, on peut dire à Mercedes d'avoir l'éclairage de la couleur qu'on souhaite ici. Je peux refermer le store, ouvrir le toit, le SOS ou ma conciergerie Mercedes Me, juste ici. Là, on a en option tout le toit en Alcantara, un petit miroir avec une petite LED là-haut. Et c'est quand même gigantissime. Ici, sur l'arrière, comme vous pouvez le voir, on pourrait amener plein de copains et aller faire une balade. Bon, allez, maintenant qu'il est démarré, il est chaud, c'est parti, on va faire un tour avec ça. Me voilà dans ce GLS, le 4x4 le plus luxueux de chez Mercedes. On va dire que c'est vraiment la voiture la plus grosse, la plus énorme, et on sent déjà lorsque je suis dedans que c'est énorme. Allez, on la démarre. Donc, moteur thermique sur celle-ci, ça m'indique, alors, hop, je vais juste enlever ça, 900 km d'autonomie. Donc, c'est vraiment une voiture faite pour faire de la route. Voiture diesel en S400D. Gros réservoir. Gros joujou. Fait clairement pour partir en vacances en famille. On a un coffre spacieux. On a de la place à l'arrière. On a une voiture très confortable. Hyper bien insonorisée. C'est la voiture faite pour faire de la route. Clairement, c'est très très confortable. On a bien sûr plein d'options possibles. Il existe même en mébarre, j'ai l'affichage tête haute qui est juste gigantissime ici. Et moi, je me sens tout petit. Vraiment, j'ai presque l'impression d'avoir une voiture américaine. Alors, c'est surtout les marchés américains et orientaux qui utilisent ces voitures. En France, moi, j'en vois très très peu. Chez nous, on a beaucoup de GLE. Mais là, on est encore dans quelque chose de beaucoup beaucoup plus gros. On sent que la suspension, elle est confort. On a plusieurs modes. Et voilà quoi. Pour la ville, c'est agréable. On a bien sûr le start and stop et toutes les options de base. Et le fait d'avoir un diesel, bah, ça reste quand même un gros plus parce que ça nous permet de pouvoir avoir une très grande autonomie. Et clairement, là, la voiture, elle a 5500 km. En fait, ils auraient pu faire seulement 6 pleins en roulant tranquille. C'est plutôt agréable. La direction est légère. Pourtant, on a une voiture énorme. C'est très agréable à conduire. Pareil, lorsqu'on est en montée, si besoin, ça va tracter, mais sans problème. Pareil, si vous avez des choses à tirer derrière, pas de soucis, hein. Franchement, on voit que ça le fait avec une facilité. Pourtant, c'est pas un moteur AMG ou quoi que ce soit. Ça existe également en AMG. Mais je pense que ça, c'est vraiment le bon compromis pour avoir une voiture un petit peu plus discrète, parce qu'elle est déjà énorme. Mais avec tout ce qui est AMG, ça va vraiment faire une voiture un petit peu tape à l'œil. Alors que là, ça passe plus discret, ça fait pas de bruit. Vous pouvez rouler tranquillement et surtout, on a quand même du répondant. C'est assez agréable sur les Dodan. Pareil, on n'a pas besoin de ralentir autant que on était en classe A. Oh, putain. Oh, le confort. C'est ça que j'adore chez Mercedes. Ils ont une façon
d'amortir avec les suspensions pilotées qui est totalement différente des autres marques. C'est un confort au quotidien. Et lorsqu'on repasse à une autre voiture, on se dit « Ah, c'est vrai que c'était vraiment bien. » Non, mais même un X3, ça paraît tout petit à côté du GLS. C'est hallucinant. Le capot est énorme. Je vois les deux rainures là. C'est gigantesque, vraiment. Bon, par contre, dans les toutes petites rues là du 92, heureusement qu'on a une direction très très light. Il faut faire un petit peu attention. Des fois, on serre un petit peu les fesses. Hein. On se dit, ouh, est-ce que ça va passer ? Là, par exemple, ce genre de virage, le truc est énorme. C'est une limousine. J'adore parce que dans FCH Tête Haute, j'ai l'inclinaison de la pente. Là, par exemple, je peux vous dire qu'on est sur une pente à 7%. Si j'étais chauffeur, j'aimerais bien une classe S. Alors je vous avoue que je préfère la classe S quand même en version berline, parce qu'elle est encore un petit peu plus luxueuse. Ça fait un petit peu moins moderne que les nouvelles avec les grands écrans et autres. Mais d'un côté, là, on a ce côté où on est surélevé. Et c'est vrai que c'est pas mal. Allez, je roule dans les pavés là. Ouais, ça fait vibrer un petit peu la voiture, mais... ça va. Lorsque je passe en sport, je sens tout de suite la voiture qui se raffermit énormément, la direction qui change un petit peu et surtout la voiture se rabaisse. Donc on a 4 niveaux de hauteur. Là la voiture s'est rabaissée, elle s'est mise en mode je suis un petit peu plus prête. On a le auto hold. Donc chez Mercedes, on n'a pas de bouton pour le hold, c'est juste qu'on appuie sur la pédale et on appuie un petit peu plus fort, ce qui met le auto hold. Alors ça, des fois, quand on s'en souvient plus, on se dit ah, pourquoi ça s'arrête pas tout seul, mais il faut juste appuyer un peu plus. Et par contre, en mode sport, elle est beaucoup plus réactive. Elle va vous dire ok, je suis prête. Et il y a vraiment tout qui a changé. Hein. C'est pareil au niveau de la suspension, c'est plus ferme. Les réactions sont différentes, ça pousse un petit peu plus tous les rapports. Et si je veux, je peux quand même jouer avec mes palettes derrière le volant, comme une AMG GTR par exemple. Mais pour moi, il y a peu d'intérêt. Je vais me laisser le mode confort, qui pour moi sera, à mon avis, le mode le plus intelligent sur cette voiture. 50, c'est d'un calme absolu. Si je monte à 70 en appuyant moyennement, ça y va bien, j'ai bien sûr toutes mes aides à la conduite, mes 70, j'ai mon centrage de voie, ma conduite de niveau 2, on a des pneus comme ça, mais ça fait quasiment pas de bruit à l'intérieur, les vitres sont très bien insonorisées, c'est ça le luxe, c'est avoir du confort dans un silence, avoir de la puissance suffisante pour pouvoir doubler sans problème. Et être au calme quoi. Et en vrai, là c'est quand même très très agréable. Allez, là on va s'engager sur de la route qui roule plus. Le fait que ce soit une suspension pilotée, ça prend pas trop de roulis, c'est intelligent. Et pareil, quand je tourne comme ça, en fait la voiture reste quand même assez à plat. Puisque c'est une suspension pilotée. Et ça, c'est l'avantage aussi des suspensions pilotées, c'est que avec une grosse voiture comme ça, normalement, ça tangue dans tous les sens, alors que là, non, pas du tout. La voiture reste bien à plat, les gros virages, pourtant, c'est très très haut. Oh non, le pauvre monsieur avec sa 911, il a eu un problème. Pas cool. Bon, lecture des panneaux, régulateur adaptatif, en plus, elle s'adapte directement aux panneaux. Que demander de plus ? Ah si, le petit coussin ici qu'on a sur les Mercedes EQS par exemple, ou Classe S. Ça aurait été le petit pouce. On a 90. Zone de contrôle sur votre trajet. J'ai l'impression d'être arrêté à un feu dans ma voiture tellement que c'est silencieux et agréable. C'est bluffant. Allez, là ça passe à 110. Si devant ça veut bien se décaler. Alors même à 110, il y a très très peu de bruit du vent. Très peu de bruit de roulement.
très bien avec cette voiture. Moi, j'écoute Fib des fois, ça me met des petites ambiances calmes, mais je me retrouve, tu sais, dans cette ambiance. Je me dis, ouais, voilà, c'est ça, vraiment la classe. À part vous dire que c'est très très bien, il n'y a pas grand chose à dire au final, hein, parce que c'est juste très très bien au final. Allez, on va passer dans le sombre. Donc, on a de l'éclairage ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, au niveau des haut-parleurs Burmester, la ligne qui traverse tout l'habitacle, puis c'est toujours la classe. Hein. Plus un petit peu dans les contreportes et autres, moi j'adore. Enfin, j'adore cette ambiance un petit peu lumineuse, chic. On peut bien sûr paramétrer, hein, toutes les couleurs qu'on souhaite. Et c'est vrai que moi, chez Mercedes, j'ai toujours adoré. Et je trouve que même la E, on fait un petit peu plus avec les aérateurs colorés et autres, même une classe A. Celle-ci, elle fait un petit peu plus classe. Mais je vous avoue que moi, personnellement, je suis un grand fan de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez quand c'est tout noir, tout sombre, ou même maintenant, hein, même la plupart des autres marques s'y mettent avec des petits éclairages au moins blancs ou un petit peu bleutés? Moi, je vous avoue, j'adore, parce que ça participe au luxe pour moi. Ça fait vraiment partie des options supplémentaires. Après, on peut ne pas les allumer, mais on peut les allumer et se dire, voilà, je peux personnaliser vraiment une voiture qui me ressemble avec les couleurs que je souhaite. Si je veux du rose, je peux mettre du rose partout. Bah, je trouve que c'est quand même assez agréable. Allez, un petit coup de sombre complet et on peut réaccélérer ici. On va se mettre à 130. Virage, ça va. Au niveau du maintien latéral, c'est correct parce qu'on a quand même des bourrelets assez gros sur le côté. Et à 130 sur l'autoroute. Je suis en 9e rapport. On a la boîte 9. On a très légèrement du bruit du vent, on sent pareil que c'est bien insonorisé, on le sent souffler parce que vous avez vu la taille de l'immeuble qui se déplace là sur la route. Moi, je trouve que c'est très agréable. Et on sent qu'on pourrait rouler à 200 sans problème dans tout ce luxe et surtout cet immeuble qui se déplace. L'impression que rien ne peut nous arrêter en fait sur la route. Mais je fais la taille d'un transit, je suis assez aussi haut que le monsieur dans le transit. C'est indécent. Bon alors, ce Mercedes GLS, bah forcément, c'est très très bien, c'est ultra confort, c'est spacieux, c'est grand, c'est bien, tout est bien en fait. Bah, quand on est chez Mercedes et qu'on est dans la finition haut de gamme, forcément, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau des consommations, on va tourner entre 10 et 13 litres si vous faites plutôt de la ville, voire un petit peu plus si vous avez les pieds lourds. Si vous faites de la route sur un mix, on peut être aux alentours des 10 litres, voire un petit peu en dessous si vous faites que de l'autoroute, aux limitations bien sûr. Même si c'est vrai que bah, ce Mercedes, il donne quand même envie de rouler à 150, 160 tranquillement au régulateur avec toutes les aides à la conduite. Et en vrai, on craint rien là-dedans, quoi. Enfin, on est le maître de la route. Au niveau des prix, je trouve ça correct parce que vu le prix de toutes les voitures actuelles, à partir de 106 000 euros, je trouve pas ça déconnant. 130 000 pour le modèle d'aujourd'hui, bah, pour moi c'est ok parce qu'une voiture électrique de nos jours ça vaut quasiment 60-70 000 et là on a vraiment quand même beaucoup plus, on a des choses d'énormes, très confort, toutes les technologies qui vont bien. Je trouve que c'est plutôt bien placé parce que même une voiture 7 places hybride ou autre, ça vaut déjà très très cher. Bon, j'ai hâte de voir la version 100% électrique qui va sortir de ce EQS SUV. Et pour moi, ça reste l'idéal pour une famille ou même quelqu'un qui voyage beaucoup, qui fait de longs trajets ou même quelqu'un qui a un chauffeur. Alors, c'est pas forcément aujourd'hui la version la mieux, mais si vous avez un chauffeur, la version Maybach sera juste exceptionnelle parce que vous aurez encore plus de confort, plus d'insonorisation. Et pourtant, là déjà dans une version, on va dire basique, c'est très très bien. Est-ce que vous seriez plus version électrique de ces gros joujoux, vous préférez donc ces moteurs? Est-ce que vous êtes plutôt diesel parce que gros rouleur, ou est-ce que vous êtes plutôt version essence avec beaucoup de puissance et une sonorité un petit peu plus sympa, ou est-ce que vous êtes carrément version AMG? J'avoue qu'en version AMG c'est assez rigolo aussi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à dire dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaye comme voiture. Est-ce que vous aimez bien quand j'essaye ce genre de voiture luxueuse, ou est-ce que vous voulez voir un petit peu d'autres choses, ou est-ce qu'on continue à faire toujours un mix entre de la Dacia et du SUV limousine? Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.